J'aime pas filmer en vertical, mais pour filmer ce machin, j'ai pas le choix. Joe, c'est Lucius 360, ça joue le chalet ou bien? Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, et qu'on fait pas trop chez nous en Suisse, c'est visiter les autres régions du pays, parce que c'est cher. Alors pour vous là, qui me regardez, je vais faire péter le porte-monnaie et faire un tour de tous les cantons suisses, une vidéo par canton j'ai envie de faire. Je me suis toujours demandé si c'était possible de speedrunner tous les cantons suisses en train, en transport public, et de montrer un truc intéressant dans chaque canton. Et bordel, je dois aller à Genève, quoi. Je vais le faire pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire, à venir payer des sandwichs à 12 balles. Et je vais faire ça parce que ça fait des années que j'ai voulu le faire. Alors moi, je vais le faire en plusieurs fois. Entre cet été et cet automne, on verra au gré des travaux sur les lignes de train, au gré de mon emploi du temps. Mais voilà, je vais commencer ça tout soudain. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des endroits qui vous intriguent, s'il y a des villages avec des noms drôles, des trucs que vous voulez que je visite. Alors j'ai déjà fait ma petite liste, mais enfin dites-moi quand même s'il y a des trucs qui vous intéressent. On dirait qu'il fait beau, mais ça commence à rayer là. Il y a l'orage pas loin, et il y a quand même des warriors qui montent au barrage. Moi j'ai renoncé, je vais aller directement à l'apéro. Bon ben voilà, cheat code téléphérique ma foi, ça valait quand même le coup. Je regarde le machin. Voilà donc le lac au sommet du barrage, le lac des 10, mais avec l'inflation ça fait 12. 2365 mètres, et il y a une réserve du nombre de mètres cubes qui s'affiche sur votre écran maintenant. Bon, vu qu'il commence à y avoir l'orage et qu'il tonne, ben voici mon prochain invité. Non, c'est pas Bill Clinton, c'est Paris Hilton. Du coup, on va redescendre, bon, à Pince quand même, on va faire un peu d'exercice physique. Du coup, le programme, c'est apéro, brunch, concert du 1er août, parce que c'est la fête nationale suisse aujourd'hui. Alors, joyeuse fête nationale en retard à tous les Suisses. Joyeuse fête celtique de Lugnasad aux autres, parce que c'est la même date, c'est la fête, c'est au milieu, le cœur de saison, c'est entre le solstice et l'équinoxe, c'est la fête de l'abondance des récoltes, 1er août. Alors voilà, A-L-O-O-I-L-A, alors voilà, donc on se retrouve sur The Grand Tour of the Cantons, ça c'est orienté médiéval, historique, on va essayer de retrouver des petits coins de Suisse encore intact dans ce pays cosmopolite. Alors on se retrouve plus tard, vous me dites, et on se fait une rando avec des jeux de mots. Ciao. Dernière petite chose, cherchez sur YouTube Dixence Bouquetin. Vous avez peut-être déjà vu ça, mais c'est impressionnant. Dixence Bouquetin, j'en dis pas plus. A few minutes later. Bon bah le brunch il est là, mais alors le concert, tout le matos a pris l'eau, je sais pas s'il aura lieu. Alors voilà, bon, du coup, bon appétit avec cette assiette qui ne veut rien dire, puis on va manger debout quoi, parce que c'est un peu d'être en paix. Alors à plus. Back for my daddy, oh, there's whiskey in the jar. Then I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 daddy old time.